Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, c'est-à-dire l'épisode 3 de Remember Me avec Nilin en tant que chasseuse de souvenirs. Je crois que je vais arrêter de me présenter là. Bonjour, ici c'est Barcilou, parce que ça ne sert plus à rien puisque j'enchaîne des vidéos de 20 à 30 minutes. Et donc je vais arrêter ici. Je vais continuer. Donc on est dans le Psalm 404 et on est à la recherche de Johnny Greentis qui va nous mener, j'espère, à la Bastille pour récupérer la mémoire manquante que Nilin a laissée dans la prison de la Bastille. Puisque je vous le rappelle, en entrée, elle s'est échappée de la Bastille, heureusement, parce que sa mémoire aurait été définitivement effacée. Donc elle a réussi à recouvrer la mémoire en partie, mais pas tout, donc les trous manquants vont être bouchés par... on va directement aller à la Bastille. Donc nous sommes dans le Psalm 404. Oh, la caméra. Où suis-je? Je regarde en haut parce qu'il y a toujours une indication pour grimper. Et là, comme je ne sais pas trop où je vais, je regarde. Sauter les verrous. Ah oui, oui, oui. Tu parles d'une indication, toi, putain, c'est pas évident à trouver. Ben voilà une serrure, je l'avais pas vue au passage. Certain que le patch doit être ici. Mais où? Je ne saurais dire. Bon, bref, j'abandonne. C'est pas pour moi. Les parasites. Ah, ok. Confirme l'authenticité du message. Quant au capitaine Trace, chef de la force Sabre, il vient de promettre une riparte sans pitié pour ses ennemis de Néopari. Tandis que les secours s'organisent après l'inondation qui a dévasté la conforteresse Saint-Michel, les déclarations se suivent mais ne se ressemblent pas. Edge, fondateur de la faction erroriste, a revendiqué le sabotage de la... Je crois que j'ai bien entendu. Serait-ce un Leapers? Ça fait longtemps qu'on les a pas croisés, ceux-là. Oh, j'ai encore loupé le patch. Putain. Il y a des droits pour ça. Mirador, Mirador.
Un nouveau combo, bien. Après scène de puissance. Ok. Après scène de puissance. Une autre après scène de puissance. Je l'ai déjà. Non, c'est dégâts, c'est pas puissance, c'est dégâts. Attendez que je choisisse. C'est pénible ça. Ça c'est régénération. Ok. J'y arrive pas à trouver le X. Il ne reste aucune clé, bien sûr. Tiens ça. J'arrive pas à les compléter. J'ai des X et j'ai des X, mais j'ai pas de Y. Non, mais tant pis, je vais me débarrasser. Puissance, puissance. Non. Non. Non, ça je l'ai déjà. Excusez-moi, mais là je prends mon temps pour bien choisir mes coups et pour bien distiller mon combo. Y, X, il manque plus que le... Y, bon, bah, tant pis, hein.
Attendez, je vais revérifier mon combo. Donc, X, Y, Y, X, Y, Y. Ok. Oui, je confirme. Alors, c'est, il y a du feu à gauche. Hop. Ouvrir. Ah, c'est. J'allais dire, c'est des rats. Ok, les ruelles sombres. Doit pas voir beaucoup la lumière du soleil ici. Tout est étroit. Hop, attention là, j'allais m'engager dans un traquenard. Qu'est-ce que j'ai? Une réparation de robot. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Hors d'usage. Fubar. Ah oui, ok. Merci. De l'autre côté. Bienvenue à Magimadi, votre bulletin d'information quotidien est tout pertinent. Aujourd'hui, je reçois le capitaine Gabriel Trace. Là, nous sommes dans le quartier chaud de Paris. Jasmine. Non, Janine, pas Jasmine. Is waiting for you. R pour changer de cible. RB pour tirer, bon ça je sais. Ils sont plus nombreux, je trouve. Donc ils sont individuellement, ils sont pas trop coriaces, mais pris ensemble, je ne sais plus où j'habite là.
que la première fois que j'ai pris le contrôle de Nilin, je l'ai fait en erroriste. Et c'est vrai que cette partie que je viens faire là, contre les 4 Leapers, c'était du coriace et du costaud. J'ai dû me reprendre à plusieurs fois avant de réussir. Donc, et pour le plaisir de la vidéo, pour que ça soit plus agréable à regarder. Cette pub, je l'ai déjà entendue. C'est bon signe ça, Frangine. Ta mémoire profonde a résisté au traitement. Jax sait tout, Jax fait tout. Jax veille sur vos enfants et vos enfants l'adorent. Pour fêter ses 25 ans d'existence, Jax revient dans son design original, mais doté de toutes les innovations qui ont fait de lui le jouet numéro 1. Jax le panda, une référence. Oui, pour dire que le mode de difficulté erroriste, c'est pas du gâteau, enfin pour ma part. Jax sait tout, Jax fait tout. Il y a d'autres joueurs. Jax veille sur vos enfants et vos enfants l'adorent. C'est de la rigolade. Allez voir jouer. 25 ans d'existence. Jax revient dans son design original, mais doté de toutes les innovations qui ont fait de lui le jouet numéro 1. Jax le panda, une référence indémodable signée Happy Place. Happy Place, là où on s'amuse. Jax sait tout, Jax fait tout. Jax veille sur vos enfants et vos enfants l'adorent. Pour fêter ses 25 ans d'existence, Jax revient dans son design original, mais doté de toutes les innovations qui ont fait de lui. Ouf. Ok. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Donc, c'est une progression à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'être sur le plancher des vaches, mais on est sur les toits. Ça, la ville se situe à plusieurs niveaux. Ok, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en compagnie de Nilin. Qui n'est pas désagréable à regarder. On est en charmante compagnie. Et je vous dis à bientôt. Salut!